tu t'en sors, Layla? Mais fais pas chier! Comment je m'en sors, mon cul? Je suis complètement crampée, merde! Eh, hey, tu vas pas râler, je te paye 2 dollars par jour, faut que tu les gagnes! Lève ton gros cul de feignant et viens sonner, écoute-moi! Lâche-moi la grappe, tu veux? Je travaille dur, moi aussi, tu sais! Qu'est-ce qu'il y a encore? Putain de merde, pas de toucher! Fais chier, merde! Je pilote à l'aveuglette, moi, super cerveau! Je croyais que t'avais réparé le radar! Le radar est un peu capricieux, tu vas devoir être très très gentil. Gentil, mon cul! C'est tout le système qui va me claquer dans les doigts! Vous y êtes par tes mauvaises vibrations, sans doute. Sans doute! Est-ce que tu recommences à taper dessus? Non. Ah, alors, je sors! Change les piscines en bas! Dis donc, où est-ce qu'il a écrit que c'est à moi de travailler dehors? Je veux dire, tu peux y aller aussi! Tu pourrais décoller ton cul de ce siège de temps en temps! Je t'aime, ma petite Layla! Alors, tout va bien? Tout baigne. On est dans les temps. Vous m'avez pas engagé pour mes bonnes manières? C'est exact. Vous avez même la réputation contraire. Faudra bien faire avec. Où sommes-nous? Juste ici, au milieu de nulle part. Et notre destination finale? Juste... là! Le milieu de nulle part au carré. Finnegan. Ouais. J'ai entendu parler de toi, mais je te croyais plus vieux. Je suis comme le bon vin. Je me bonifie en vieillissant. Merci. Comme le bon vin, mes fesses. T'es plus du genre canette de bière. Des questions, monsieur Finnegan? Non. Je suis payé pour la fermer et pour faire mon boulot. Alors je la ferme et je fais mon boulot. Vous n'avez même pas la curiosité de savoir où nous allons. Comme le dit le contrat, du moment qu'on est payé, on n'en a rien à cirer. Très bien. Mais où est-ce qu'on va, putain? Gentlemen, mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention un petit instant, s'il vous plaît? Le capitaine Atherton, son équipage et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue sur le voyage inaugural de l'Argonautica! Sachez que chacun des membres de l'équipage de ce navire, soit une centaine d'hommes et de femmes, n'a qu'un seul objectif: pouvoir réaliser tous vos rêves. Quant à moi-même, durant toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul rêve. Créer le plus grand, le plus luxueux, le plus fabuleux paquebot de plaisance jamais construit. Et ce soir, à vous voir tous ici, si beaux, si élégants, si riches, je peux affirmer que j'ai réalisé mon rêve
et je vous remercie tous du plus profond de mon cœur de m'y avoir aidé. À l'Argonautica, longue vie à jamais! C'est le sommet de l'art. Il n'y a pas un autre paquebot comme celui-ci. Sur des vagues de 10 mètres de haut, il n'y aurait même pas un frémissement de votre marque. C'est extraordinaire. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous apprécierez cette croisière. Merci, capitaine. Bonsoir. Excusez-moi. Non, sono io. Scusate. Non, vraiment, je suis désolé. Ciao. Jolie photo. De ce putain de mal de mer. Ça me fait penser que j'ai faim. T'as toujours faim? Oui, et alors? Tu vois bien que je suis en pleine croissance? Tu grandis encore? Ça te pose un problème, estime-toi heureux que je te bouffe pas. Mais qu'est-ce que tu lis, Mamouli? Réalisez vos buts. Moi, mon but dans la vie, avant de mourir, ce serait de faire l'amour à une femme de chaque pays sur la Terre. Comment ça, chaque pays? Ce que toi et moi, on connaît, ou les autres pays aussi? Qu'est-ce que t'entends par là? Comme le soi-disant pays de Tiret. Ta gueule, Billy, l'Australie est un pays. L'Australie est une île. Eh bien, techniquement, c'est un continent. Oh, fais pas chier, île, pays, continent, partout où il y a des femmes, moi ça m'intéresse. Si tu viens dans mon pays, je te descends. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est pas parlé d'autre chose que de bonne femme? Non, je m'en souviens pas. La seule façon de lui fermer sa gueule, c'est de l'abattre. C'est vrai ça? Ah ouais? Et tu y as déjà pensé? Tous les jours. Allez les mecs, asseyez-vous, d'accord? Retourne en Australie! Mamouli, ça veut dire quoi ça? J'en sais rien, y a pas de photo. Hey, tu sais ce que je voudrais manger? Une plâtrée de 2 beaux pieds de porc bien gras, de la cervelle de singe en vinaigrette et 2 yeux de gros éléphants. Tout cru qui explose dans la bouche quand tu mords dedans. Miam, miam. Ça n'a pas l'air de te plaire. Arrête de tirer et tu empestes la cabine. Oh, ta gueule! Fermez-la! Vous n'êtes pas payé pour faire la fête. Oh là. Écoute, ce radar décolle toujours, je le sens, et c'est une très mauvaise sensation. Tu sais combien il y a d'îles non repérées sur la carte? Je sais pas. 2? Tu es très drôle. Attends que j'écrase cet engin sur une saloperie d'îles non repérées. C'est quoi ça, un talk show? Moi j'ai besoin d'un peu de calme pour travailler. Déteste.
fait chier. Je ressens un vrai manque d'amour ici. Assieds-toi. Tiens, 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 qu'est-ce que nous avons là, les copains? Je l'ai trouvé en train de fouiller dans la soute. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour rendre votre voyage plus agréable, vous n'avez qu'à me demander, d'accord? Salut, mon pote. Reste pas là, rien faire, va l'aider. Hé, hey, oh, tu te fous de moi? Ces gars-là sont bien trop dangereux. Non, sans blague. Faut faire quelque chose, justement. En ne faisant rien, on vit bien plus longtemps. Finnegan. Nous avons un contrat à remplir. 24 heures aller-retour au port. Si vous tabassez mon mécanicien à mort, on risque de mettre plus longtemps. J'ai rien contre, personnellement, si les heures sup me sont payées double. On l'a trouvé en train de fouiner dans la soute. Bon, d'accord, c'est un fouineur, et alors? Le contrat stipule, on ne pose aucune question. Écoutez, les mecs, je vote pour qu'on balance cette petite merde par-dessus bord. Moi, je vote pour qu'on le tue. Et moi, je vote qu'on le tue et qu'on le balance par-dessus bord. Ben oui, mais on vote pas ici. Vous savez, on n'est pas en démocratie. Bon, d'accord, alors je vais le répéter pour ceux qui ont des problèmes d'oreilles. Ça pourrait faire mal. Vivo! Tout le monde va bien? Personne ne veut tuer personne? Vous devriez sortir plus souvent, les enfants. Ça réduit d'un an mon espérance de vie. Bonsoir à vous. La salle des coffres est ouverte. Que de choix, que de choix. Oh, toi t'es un peu trop grand pour moi. Hein? Toi t'es plus à ma taille. Et voilà le collier. Bonsoir, signora. Salut. Prise la main dans le sac. Quelle jolie petite garce vous faites. Bonsoir, messieurs. J'étais justement en train de partir. Ou peut-être pas. Une sage décision, parce qu'il n'y a aucun endroit où fuir. Le pays le plus proche est à au moins 1000 km, capitaine. 1300, monsieur. Selon ce fax que nous venons de recevoir là, oh, ça n'est pas très flatteur comme photographie. Faites voir ça. Vous êtes recherché pour hold-up, cambriolage, faux usage de faux et tentative de meurtre. Mon ex-petite amie. Et alors? 6 arrestations, 5 condamnations et recherché dans... 4 pays? Comment une femme aussi belle et aussi jeune que vous peut avoir un aussi incroyable casier judiciaire? Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Je crois que c'est parce que vous n'êtes pas très douée pour ce que vous faites. Du calme, Canton, ça n'est pas nécessaire. Je crois que c'est ma carte. Merci. Capitaine, j'ai oublié, avons-nous une prison sur ce paquebot? Oui, bien sûr, monsieur, mais elle n'est pas terminée. Vous ne pouvez pas mettre une dame en prison! Sans doute, mais vous, signora, n'êtes pas une dame. Bas les pattes! Et vous, monsieur Kenton, vous n'êtes pas un gentleman. Ils doivent avoir 30 pieds de long, mec. Et ce sont pas des ogives nucléaires, mais le bang te ferait quand même serrer tes petites fesses. Tu me refais ce genre de conneries et je te descends moi-même. Tu vas cesser de bouger, espèce de gros bêta. Excuse-moi, mais ça fait mal.
tu crois pas qu'on pourrait lever le pied? Tu as de la novocaïne? Oui, mon joli petit lapin, mais juste un peu. Je crois que j'ai besoin d'une plus forte dose. Tu as toujours besoin d'une plus forte dose. Hey, Dutch! Hein? Combien y en a de ces engins? J'en sais rien, au moins 8 ou 9. Enfin, je veux dire, assez pour couler un putain de porte-avions. Eh ben, c'est génial. J'ai des bombes dans la soute, maintenant. Je suis peut-être la seule à le penser, mais si tu posais une question ou deux avant d'accepter un job... Tant qu'on est payé, on en a rien à cirer. Hein, c'est quoi, ça, comme philosophie de la vie, mec? Des torpilles. Putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec des torpilles? Ouais! Eh bien, messieurs, dites bonjour au fusil d'assaut M1L1, triple impulsion de fabrication chinoise. Barillet rotatif, capacité de 1000 cartouches. Refroidissement automatique, waterproof. Yeah! Tienne, ma belle. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Communication, où en êtes-vous? Tous les écrans thermiques ou laser donnent une totale absence d'image, commandant. C'est impossible. Commandant, le radar ne répond plus. Branchez-vous sur le générateur de secours, monsieur Lewis. Faites un contrôle des circuits. Pas de réponse, commandant. Nous avons un blackout complet de tous les systèmes. Même le système de communication? Plus rien, il est totalement inexistant. C'est peut-être la tempête. Mais voyons, c'est ridicule, ce navire n'est pas touché par les intempéries. On peut toujours émettre. Notre signal reste statique, commandant, j'ai jamais vu une chose pareille. Notre matériel est le dernier cri de la science, le summum de la recherche. Monsieur Compton, je vous en prie. Nous sommes dans une situation dangereuse. Nous voguons sans radar, ni aucune forme de visualisation. Nous allons à l'aveuglette. Sans aucun moyen de pouvoir communiquer notre situation. J'ai quelque chose ici, commandant. Qu'est-ce que c'est, Colin? Je ne sais pas, commandant, mais quoi que ce soit, c'est... énorme. Sans doute un banc de baleine. Faisant du 31 nœuds, monsieur, ça je ne crois pas. D'où est-ce que ça provient? Juste en dessous de nous, à 160 mètres, juste en dessous de nous. Et ça monte très très vite. Plus que 150 mètres, 140 mètres, 130, 120, 110, 100 mètres, 90, 80, 70, 60, 50 mètres. Yeah.
pouvais faire des trous dans mon bateau. J'ai pas dit que tu pouvais faire des trous dans mon bateau. Ça va te coûter très cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Allons-y. On dirait une sorte de... un lance-torpille, on dirait. J'aime pas ça. Ben je sais, moi non plus, j'aime pas ça. Combien de temps? Encore 22 minutes et on sera au-dessus de... quoi qu'il se passe dehors. Qu'est-ce que c'était, ça? Accrochez-vous! Réponds-moi, il y a des dégâts! On a un trou à tripar à vent! On prend l'eau! Un peu, mais c'est au-dessus de la ligne de flottaison! Je ne reçois plus aucune puissance de Jézabel! Elle est HS! Il y a un problème avec Hercule! Il reçoit plus de carburant! Ça suffit! Je coupe les moteurs! Merde! Qu'est-ce qu'on a bien pu heurter? Putain de trou! Allez chercher de l'air! Faut l'éteindre! Laissez pas le feu atteindre les caisses! Putain, qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas ce que c'était, mais ça a failli me décapiter! Qu'est-ce qui fait marrer? Qu'on soit encore vivant, crétin! Un seul petit choc direct sur une seule de ces torpilles, et fouette! On faisait partie du passé! On a un trou à tribord avant de la taille du Nebraska. Quelle est la situation ici? Cette vieille Jézabel a pris le coup en plein dans le mille. Qu'est-ce qu'on a touché? Je vous le demande. On a dû exploser une espèce de hors-bord. Hors-bord? On est trop loin de la moindre côte. Il est impossible qu'un hors-bord arrive aussi loin que ça. Impossible. Oh! Putain de merde, Finnegan! Rien ne marche! Hercule part totalement en couille. Son embrayage est bousillé. Il y a une culasse de grippé, je sais pas. On perd trop vite le carburant! Je nous donne 20 minutes, une demi-heure au plus, et après on est foutus! Finnegan, faites quelque chose, nous avons un travail à terminer, un horaire à respecter. Oh mec, tu peux pas leur dire de la fermer. C'est toi qui vas la fermer. T'es pas indispensable, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, c'est toute l'histoire de ma vie. Ramenez vos fesses ici! Il y a un truc bizarre juste devant. Quoi, quoi? Laisse-moi. Non, attends, laisse-moi attends! Voir. Laisse-moi c'est pas vrai, voir. Arrête! C'est un bateau de croisière. Tu crois qu'on pourrait y trouver du fioul? Et peut-être l'entrée au magasin des pièces détachées. Absolument. Absolument. Qu'est-ce... Maintenant, on prend les commandes. Un navire comme ça, ils ont une demi-douzaine de moyens d'appeler à l'aide. Non, plus maintenant. Bantucci, tu peux réparer cet engin? Si je peux entrer dans le magasin de pièces détachées de ce bateau de rêve, je pourrais peut-être réparer ce tas de ferraille. Ce sera peut-être un peu bancal, mais il va tourner. Ils ont armé toutes les bombes, mec, elles peuvent exploser. Bon alors, Finnegan et le mécano viennent avec nous. Non, attends une minute, tous les trois on doit rester ensemble. À partir de maintenant, tu vas rester avec moi. Billy? Oui, chef! Fini de préparer le lance-torpille et surveille la fille. D'accord, chef. Hé, mon pote. Je m'occupe d'elle. Je me suis pas encore fait de coréenne. Hé hey, hey, petit comique, tu laisses ma nana en dehors de tout ça, hein? Tu veux me frotter à moi? Hé, 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 tiens-toi bien, s'il te plaît. Elle te boufferait tout cru, de toute façon. Hé, hey, calme-toi. Arrête tes conneries, maintenant. On se croira à la maternelle. Le bateau ne bouge pas. Pourquoi il bouge pas? Je ne sais pas. Allez, messieurs, vous connaissez la manœuvre. Allez, maniez-vous le cul!
pas besoin de vos armes. Si jamais ils nous attaquent, mec. Avec quoi? Des margaritas et de l'huile à bronzer? Quel bordel sur ce bateau! Tu veux que je t'appelle la femme de ménage? Utilisez toutes les forces nécessaires! L'intimidation peut être un bon moyen aussi! Il y a des tas de passagers sur ce bateau! Ouais, et la moitié est armée de rouge à lèvres! Attention aux traces dans le cou! Top là! C'est marrant de monter comme ça! Moi je trouve! Tout le monde est dans le hall d'accueil! On va les parquer tous là et finir le travail en petits groupes! Au rapport! On prend la salle des coffres! Niveau 6! Le casino! Niveau 3! La passerelle! Avant! Niveau supérieur! Attention, les troubles fêtes arrivent! J'entends aucune fête, moi! Tout le monde au sol! Personne ne bouge! Merde! Putain! S'il y en a qui ont fait la fête, elle m'a l'air bien terminée. On a plein de sang ici? On a plein de sang ici aussi, mec. On a plein de sang partout. Je la sens vraiment très mal, moi, cette affaire-là. Niveau 0, hall d'accueil. Veuillez faire attention à la marche. Les portes se referment. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Les sauvetages sont toujours là! Putain, mais y'a personne! On continue! Ici. Ils ont tous foutu le camp! Une vraie ville fantôme! On dirait qu'on s'est fait prendre de vitesse. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On s'en fout, mon pote! On ouvre les coffres et on se tire! Putain de merde, les mecs. Bon, allez, ça suffit! Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce ratio, mais je vous rappelle qu'on a du boulot. Où est l'atelier? Au pont inférieur, niveau 9. Tirez, Mamouli, emmenez Finnegan et le mécano. Prenez le monte-charge, c'est le seul ascenseur qui a eu dernier pont. Les autres, venez avec moi à la passerelle. On se bouge! Allez, allez, allez! Allez, avancez! Voyons voir.
La voie est libre. Votre copain a fait du bon boulot en coupant tout. Ouais, mais il n'était pas censé stopper le paquebot. Ni tuer tout le monde à bord. Je ne vois pas de mort. On dirait que tout le monde a disparu. Aucun passager. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de passager? Non, j'ai vu personne. Faudrait être con pour sortir sous cette pluie. La coque de ces bateaux est censée ne pas prendre l'eau. Et ça veut dire quoi? La coque ne prend pas l'eau. Alors pourquoi mes pieds sont trempés? C'est un bateau fantôme. Je vote pour qu'on se barre. Qui vote pour qu'on se barre? La ferme! Voilà ce qui s'est passé. Ils ont cru qu'ils allaient couler, ils ont abandonné le navire. Quelle bande d'imbéciles! Oh mon Dieu, il a raison. T'as raison? Oui, ils ont tous sauté par-dessus bord. Vous savez, j'imagine le dernier de ces connards en train de dire « Merde, gosse, on a oublié les canots de sauvetage, on n'a plus qu'à nager maintenant !» T'as vraiment une grande gueule, toi, tu sais. Ouais, je le sais. Je t'aime pas. Tu me connais même pas. Eh, visez un peu ça, mes futures ex-femmes. Ma moulie, obsédée sexuelle, sort un peu ton esprit de la merde. Allez, allez, dépêche. Oh, mec, qu'est-ce que ça pue? Est-ce que j'ai dit que c'était toi? Oh putain, cette eau, elle est glacée! Je vais attraper la crève, moi. Quelle est celle d'entre vous qui veut me réchauffer? Hey! T'éloigne pas! Ah, je savais pas que je t'intéressais! C'est ton flingue qui m'intéresse. Ma moulie, liquide pas des yeux! Hein? Qu'est-ce que t'as, là? Que dalle. Que dalle? Ouais, que dalle. Bon, d'accord, que dalle. Merde! Qui est là-dedans?
Tu sens tout de suite où je te bute la gueule. Tirez. Qu'est-ce que tu fous, mec? Tirez. Tirez. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait? Tire pas! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, on lui a rien fait. Tu touches ça et t'es mort. Du calme, c'était pas nous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Introduire votre carte magnétique. Hé hey ! Tiens, regardez ça. Un signe de vie. Avec des formes. Excusez-moi, mais cette zone est réservée au personnel autorisé. En tant qu'assistante du commissaire, je dois signaler votre présence à... Où sont les autres passagers? Je sais pas, ils dorment peut-être. Vous me dites ce qui s'est passé ici, ou j'appuie sur la détente. Qui êtes-vous? Une passagère, juste une passagère. Je m'appelle Trillian. Et vous-même? Merci, ça va me faciliter la tâche. Ravi de pouvoir vous aider. Encore une fois, dites-moi ce qui s'est passé ici. Où sont les autres? Je croyais que t'aimais tout faire sauter. Oui, j'aime. Voilà. Du fric, du fric, du fric. Vivo! Oh! Arrêtez! Nom de Dieu! Putain de merde! Hey! Non, non, allez, non, non, je suis désolé, non, allez, je voulais pas. Allez, sors de là, toi. Allez, allez, sortez, on vous dit. Allez. Excusez-moi, je suis désolé, je voulais pas ça. J'ai cru que c'était l'anneau, je sais vous pas. Vous avez tué l'un de mes meilleurs éléments. Je voulais pas. C'était l'anneau, je voulais pas vous tuer. La ferme. Je suis désolé, excusez-moi, je suis désolé. Mais qui êtes-vous? Où est votre chef? Qui ça? Vous ne comprenez pas ce qu'on parlait. Une de ces choses, vous ne les avez pas vues. Qu'est-ce qu'il y a? Parle plus fort, Mamouli. Je ne t'entends pas. Ouais, ouais, écoutez. Non, fermez-la, écoutez. Je crois que... Tirer est mort. Laisse-les tomber, tirons-nous d'ici, il y a quelque chose dans cette soute. Tu la fermes. Tu la fermes. Putain de merde. Il n'y a rien dans cette soute, sauf toi et moi. Ils sont partout. Vous entendez ce que je vous dis? Ils sont partout. Il faut qu'on quitte ce navire. Bon, d'accord. Allons vérifier. On va pas au coffre? Ils vont pas s'envoler. Prends le flingue de Vivo. Allons-y. Putain, c'était quoi, ça, Finnegan? Je sais pas, j'ai pas pu voir. T'as toutes les pièces qu'il faut? Si c'est pas le cas, je retourne pas les chercher. Niveau
porte se referme. Niveau 5. Non, monte. Allez, monte. Monte, monte. 3. Niveau 2. Arrêt d'urgence. Niveau 2. Oh mon Dieu. Niveau 3. Faut prendre l'ascenseur. Où il est, putain, l'ascenseur? Sol 3. C'est là. Je vais sortir. On remonte, y'a rien de mieux dehors. Je m'en fous, je vais sortir. Vous énervez pas comme ça. La porte se referme. Et vous êtes qui, vous? Et vous qui vous êtes? Je crois qu'elle m'a cassé le nez. Donnez pas l'occasion de vous casser le reste de la figure. Personne ne le remarquerait. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pouffe? Qu'est-ce que c'est que ça? Niveau 1. C'est ce que j'essayais de vous dire. Niveau 2. Y'a quelque chose de bizarre. Niveau 3. Niveau 4. Veuillez vous éloigner de la porte. Lâchez vos armes! Tout de suite! Lâchez vos armes! Lâchez vos armes! Tout de suite! Où est Mamouli? Tirez! Ils s'en sont pas sortis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez tués! Vous les avez tués! Arrêtez, j'ai tué personne, il y a quelque chose sur ce paquebot! Conneries! Non, non, c'est pas des conneries, monsieur Hanover! Il y a des choses sur ce paquebot! Vous vous connaissez tous les deux? Allez, vas-y, démarre! Tirez, démon. Tu l'as tué, avoue-le! Tu l'as tué, avoue-le! Arrête! Avoue-le! Oh! J'avais entendu la première fois. Maintenant, la ferme! Et vous, racontez-moi ce qui s'est passé! Ce navire est infesté! Il y a des saletés de trucs partout! Infesté par quoi? J'en sais rien! Comment je saurais? J'ai jamais vu une chose pareille. À votre tour. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fille d'Ipanema. Et les gars, ça vous dérangerait pas trop si on sortait d'ici maintenant? Ouais, c'est une bonne idée. Accrochez-vous! Ça, Finnegan. Putain de merde, regardez ça. Qu'est-ce que c'est encore? Oh merde, qu'est-ce que c'est?
poupée musclée? Déconne pas, il y a nulle part où te cacher. Poupée musclée! C'est presque comme si le bateau avait heurté un récif. Enfin, ça a donné un arrêt violent et soudain. Et puis, tout à coup, ils étaient partout. Les passagers ont tous paniqué. Tout s'est passé si vite, on a eu le temps de rien faire. On n'a même pas pu utiliser les canaux de sauvetage. Le problème, messieurs, c'est que personne ne connaît nos ennuis. On n'a pas pu envoyer de SOS. Dans ce cas, capitaine, je crois que la première chose à faire, c'est d'appeler pour demander de l'aide, non? Oui, mec, appelez les marines. Ouais, faisons ça tout de suite. Non, vous ne semblez pas comprendre. Quelque chose a bloqué le système de communication. Pas quelque chose. Quelqu'un. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis Simon Canton, le propriétaire de ce navire. Hanover avait un contact sur ce paquebot. Un type qui devait couper toutes les communications. Vous vous connaissez tous les deux. C'était vous. Quoi? Vous avez l'esprit vif, monsieur Finnegan. C'est vrai, Canton. Comment on répare ça? J'ai dit comment on répare ça? Répondez-lui. Répondez-lui, putain de merde! Attendez. Répondez-lui! Tous les systèmes ont été détruits. Aucun appel au secours n'est plus possible. Mais nom de Dieu de merde, pourquoi? Putain! Ce paquebot devait être l'œuvre de toute votre vie! Ce paquebot vaut quoi? 200-300 millions? 487,6 millions de dollars. L'assurance. Voilà à quoi servent les torpilles. Vous faites attaquer le navire et vous le faites couler pour l'assurance. J'ai passé toute ma vie et dépensé toute ma fortune pour construire ce navire. Je veux bien être pendu si je m'en laisse déposséder par une bande de gras de papier. Dépossédé, espèce de salopard, mais qu'est-ce que vous racontez? Ce navire est complet dès le premier voyage. Je sais, capitaine, mais le problème, c'est que le prix de revient de chaque voyage est très au-dessus du maximum de ce qu'il peut rapporter. On va tous crever parce que vous vous êtes gouré dans vos prévisions financières. J'ai simplement surestimé le marché. Et les passagers? Ils étaient assurés? Je suis peut-être un escroc, mais je ne suis pas un sauvage. Les passagers, l'équipage et moi-même devions être évacués dans les canaux de sauvetage. Ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi, monsieur Finnegan. J'en sais aussi beaucoup sur vous. Vous nous avez vendu à vos assurances, espèce de salopard! Ne me touchez pas! Vous nous avez condamnés à mourir en vol, salaud! Est-ce que vous réussissez? J'ai dit, ça suffit! Arrêtez! Personne ne veut mourir! Allons, ça suffit! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? J'apprécie. Merci. Lâchez-le! Mourir! Non, allons, allons, lâchez-le! Ça suffit! Lâchez-moi! Dieu, ça va pas, c'est un coup à vous refiler une crise cardiaque, ça. C'est quoi tous ces trucs? C'est pas des amis, en tout cas. Alors?
Vous avez un bateau qui vous attend, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Alors je vous fais une offre. Vous m'emmenez sur votre bateau et... Et je peux vous demander ce que je veux. Oui, tout ce que vous voudrez. Je peux avoir une bière fraîche? Ah, amusant. J'ai une dette envers vous. Oui, je vous le fais pas dire. Sortez-moi de ce bateau vivante et on sera quitte. D'accord? D'accord. Dites-moi que vous êtes un homme de parole. Absolument. Mais qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Je commence à craindre que notre ami soit peut-être une sorte de dérivée étrange de la famille Arkea Otoya. Oh, la famille Otoya. Moi qui commençais à m'inquiéter. À 4000 pieds, les Otoya sont à peine plus grands qu'un crayon, avec des cordes environ la taille d'une balle de golf. Mais ceux qui sont à 20000 pieds, on a découvert qu'ils dévoraient des requins adultes. Alors, à 30 ou 40 000 pieds, je vous laisse faire le calcul. Ça... ça sent pas bon. Est-ce que vous voulez parler d'une espèce de monstre marin mutant? On s'en fout de ce que c'est. Dites-nous juste comment tuer cet enfoiré. Les Otoya sont très roublards. Ils se cachent dans des trous et attrapent leurs victimes avec des tentacules pleines d'épines et ils écrasent leurs victimes entre des mâchoires puissantes. Oui, ensuite ils les bouffent, c'est ça? Non. Ils vous boivent. Ils vous boivent vivant. Ils aspirent tous les liquides du corps avant de rejeter les restes du squelette. Bon, ça suffit, la leçon est finie, voilà le plan. Hé hey, c'est toujours moi qui donne les ordres ici, monsieur. Alors restez là et donnez tous les ordres que vous voulez. Moi, je retourne à mon bateau, je largue les amarres et je me tire d'ici au plus vite. T'as raison, je vote pour. Ça vous dérange pas que je vienne? Comme vous voudrez. Où on va maintenant? Tout au bout de cette coursive, il devrait y avoir une cage d'escalier à bâbord qui nous conduira au pont supérieur. C'est à tribord. J'ai les plans précis de tout le paquebot là-dedans. Qui vous a donné ces plans, d'après vous? Moi, je vous demande, qu'est-ce qui pourrait être pire? Merci, Joey. Thank you.
j'arrive pas à m'enlever cette terre de la tête. Ils ont dû faire un trou dans la coque, c'est comme ça qu'ils sont entrés. La puissance de ces créatures, c'est terrible. Ravi que ça vous impressionne. Merde! Il n'y a pas d'issue par cette porte. Elle est complètement tordue de haut en bas. On ne peut pas repartir par où on est venu. Bon, Canton, c'est votre bateau. Une idée? Eh bien, il y a d'autres cages d'escalier, d'autres écoutilles de l'autre côté de ce mur. La seule issue possible, c'est de descendre ces marches. Il a raison. Jusqu'où? Au moins 20 mètres. Il faut que quelqu'un descende pour vérifier. Je me porte volontaire pour attendre ici. Moi aussi. Pas question. J'y vais. Mais vous venez avec moi. Bonne chance. Et pourquoi est-ce que tu ris comme un crétin? Si nous passons de l'autre côté, je tirerai deux fois. Ça voudra dire que vous pouvez passer à votre tour, d'accord? D'accord. Hé, c'est le mien. Vous pouvez donner un vrai flingue à madame, c'est possible? Vous savez vous en servir? Oui, si quelque chose vient vers moi, j'ai qu'à appuyer sur la détente jusqu'à ce qu'il tombe. Faites bien attention, il a un sacré recul. Je sais m'en servir. Eh bien, si on doit se faire une petite trempette, c'est à ton tour de porter les pièces détachées. C'est vraiment pas ma journée. Vous savez, je voudrais pas jouer les gonzesses, mais toutes ces conneries commencent à me foutre les boules. Est-ce que ça s'attrape, l'asthme? Ou est-ce qu'on a ça de naissance? Je me tire.
Allez, mon vieux. Allez. Où est Mason? Ils l'ont eu. Merde. Rattrapé. Non, pas Mason. C'est pas possible. C'est pas possible, putain. Qui ça sera le suivant? Et où on va maintenant? Il y a d'autres monts de charge dans la coursive, là-bas. On s'en fout des monts de charge. Je vais plus dans aucun monde de charge, moi. Oui, je suis d'accord avec ces messieurs. Combien de temps avant de pouvoir espérer du secours? Je n'attends aucune équipe de secours, mon cher Finnegan. On a fait notre dernier rapport au coucher du soleil. Il faut attendre 24 heures avant qu'ils se mettent à nous chercher. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Que personne ne va chercher ce paquebot avant un jour ou deux? Ce sera peut-être un peu tard, les enfants. On a une énorme vermine répugnante qui nous attaque de tous les côtés et qui va tous nous tuer. On est dans la merde jusqu'au cou, vous croyez pas? Moi, je dis qu'on reste tous ici! Vous êtes devenus dingues. Non, non, il a raison. On a des provisions, on peut tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Je suis d'accord. C'est le réfectoire de l'équipage, il a été fait pour être presque totalement étanche en cas d'incendie. Une fois ces écoutilles fermées, il est plus possible à ces choses d'entrer ici. Vous voulez finir en prison, Mulligan? C'est mieux que terminer dans le ventre de ces merdes. Je me fous de ce que vous ferez, mais moi je me tire, c'est notre seule chance. Bouge pas. Ils sont en train de tous nous buter l'un après l'autre. Je vous dis qu'il faut rester ici, pour l'instant. Tout ce putain de paquebot est infesté, Finnegan. On n'arrivera jamais à retourner au bateau, de toute façon. Il est hors de question que je reste. Alors maintenant, dégage de là. Je vais le faire. Je vais le faire, je jure devant Dieu que je vais te tuer. Et je plaisante pas. Agis pas sur un coup de tête. Nous ne resterons pas ici, Mulligan. J'ai dit, on reste. Dernière étape, hein. Tu tires dans le tas et tu prends les noms après. Il vaudrait mieux que tu dégages maintenant, soldat. Avant que je ne t'abatte comme un chien. J'ai vu un gars mettre un poisson dans une bouteille. Il a mis un bouchon, scellé à la cire. Il a jeté un bébé pieuvre. Eh bien, la pieuvre s'est mise à s'enrouler autour de la bouteille. Et en moins de 2 minutes, elle a ôté le bouchon, s'est glissée à l'intérieur et a bouffé le poisson. Et la morale de cette histoire, c'est... On est le poisson. Écoutez, le navire a déjà commencé à couler. Et si les secours n'arrivent pas avant, je veux pas me noyer. Ouais. Écoute, Mulligan, toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je vais remonter. Priez Dieu que mon bateau soit toujours là. Que ces créatures ne l'aient pas envahi. Et je me tire de cet enfer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Force à aller là où ils veulent qu'on aille. Attendez, vous allez me faire croire que ces choses pensent? Ils sont en train de nous pousser vers l'avant du paquebot. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'avant de ce paquebot? Thank you.
Par où on va? Là, ça nous ramène dans la soute. On peut monter par là. Alors, vous venez ou quoi? Oui, je vous suis tout de suite, oui. C'est leur réserve de nourriture. C'est un cul-de-sac. Où est Canton? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh mon Dieu, il défonce la coque. Tu m'as pas dit qu'il fallait faire ça? Putain de merde! Qu'est-ce que vous faites? J'ai perdu le sac à l'eau! Il y a les pièces détachées pour le moteur de mon bateau! Sans elle, on pourra aller nulle part! Merde! Il faut les ralentir! Le seul moyen de les ralentir, c'est de leur donner à bouffer! À bouffer? Et tout ce que j'ai, moi, c'est une pastille de menthe et un chewing-gum mouillé! Bon, d'accord! Qu'est-ce qu'on leur donne à bouffer? Il va couler. Une île. Hey, vous avez vu? Ouais, je la vois. Il faut arriver à l'atteindre. Venez. C'est ta ferraille, c'est ça votre bateau? Vous avez mieux, vous? Attendez une minute. Vous croyez pas que ces saloperies ont pu se glisser à l'intérieur? C'est un risque qu'il faut qu'on prenne! Mais votre bateau peut pas aller jusqu'à cette île sans ces nouvelles pièces! Y'a pas une seule chance! Ah! Alors qu'est-ce qu'on fait? Faites-moi confiance! J'ai un plan! Ah!
Dis pas que je t'ai jamais rien donné. Est-ce que je t'ai manqué? Arrête de déconner! Va à la salle des moteurs et trouve comment les faire repartir! Vite! Même pas un Joey, je suis content de te voir! Joey, il t'est arrivé quelque chose à la jambe? Joey, tu veux être un amuse-gueule ou tu veux être un hors-d'œuvre? Bon, d'accord, d'accord, je me mets dessus. Donne-moi les pièces. Je les ai pas. Alors, ça vient? Je les ai perdues! Tu quoi? Je les ai perdues, d'accord? Perdues! Il faut s'adapter aux circonstances, j'ai un plan. Un plan, mon cul! Sans ces pièces détachées, cet engin ne ferait même pas le tour d'un pâté de maison! Eh ben, démerde-toi, j'en ai besoin! Allez, bague-toi! Leïla? Elle s'en est pas sortie, je crois. Bien. Je vais voir ce que je peux faire. C'est réparé. Mais on a juste assez de carburant pour peut-être 5 ou 6 minutes au maximum. Après, on marchera en virtuel. Y'a rien qui vient. Démarre, 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 démarre. Allez, 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 allez. Démarre, 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 démarre. Oui, oui, oui. Allez, ma poule, on a besoin que tu nous aides. Allez, allez, allez. Démarre, 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 démarre. Putain. Écoute, il faut que tu sois un peu... Doux, oui, je sais, je sais. Démarre, 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 démarre. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais, c'est bien. Bye bye, baby. Allez, mec, on met les voiles. Je suis content de vous revoir. Ah non! Maintenant, donnez-moi cette clé. Je vous emmène avec moi. Oui, et qu'est-ce que vous faites des autres? On s'en fout! Ils ont qu'à couler avec le navire. La vie est comme ça. Allez, donnez-moi cette clé. Tout de suite! Vous allez me donner cette clé.
Putain de merde! Redescends et coupe les moteurs! Attends, t'es dingue! Coupe les moteurs, pas tout de suite, tout de suite! Non, attends! Merde! Donne-moi cette queue, salope! Nom de Dieu! Vous savez, je n'ai encore jamais tué personne. Pas volontairement, je veux dire. Tenez, prenez ça. Maintenant, allez-vous-en et laissez-moi partir. Ça, je ne crois pas. Je ne laisse pas de témoins. Je ne crois pas que ça va être rapide, mais ça va être intéressant. Quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Bon, il est temps de partir. Bonne idée.
mon Dieu, Finnegan, où êtes-vous? Faites attention à ce que vous faites, merde! Ah, je suis vraiment désolée. Dieu merci, vous êtes vivant. Bien sûr que je suis vivant. Allez, on continue par là. Thank you.
n'y a plus rien à en tirer. Où es-tu quand j'ai besoin de toi, Joey? Hé, hey, j'ai trouvé un souvenir! Eh ben, je crois qu'on est coincé sur cette île. Eh ben, je crois qu'on est coincé sur cette île. C'est quand même meilleur qu'une bière, non? Finnegan! Hé, hey, les mecs! Joey! 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 Est-ce que ça va? Faites gaffe à ma jambe! Faites gaffe à ma jambe! Faites gaffe à ma jambe! On lui a dit qu'il était mort! Ben, je croyais qu'il était mort! Il a bien failli m'avoir. Il est venu s'écraser juste sur le pare-brise. J'ai foncé à travers l'écoutille, il m'a collé au cul, la saloperie. J'ai sauté par-dessus bord, nagé comme un fou. Et l'instant d'après, c'était le grand boom. Et ton putain de surfboard a failli me couper en deux, mec. C'est à cause de l'eau dans mes yeux ou est-ce que je vous ai vu vous rouler un patin tous les deux? Joey. Alors, je peux toujours aller faire une promenade sur la plage. Joey. Ou quelques longueurs dans la mer. Quoique, si jamais il faut que je retourne dans cette putain de flotte... Joey. Ok, c'est cool. Je reste avec vous. Je me ferai pas prier. Ah, oh. Oh, ça a l'air d'un endroit assez sympa, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore?